Welcome to Hashtag It. Hashtag It. Salut mes petits choux, bienvenue, vous êtes dans Hashtag It. Oui, Hashtag It, votre nouvelle hashtag émission. It. Hashtag, c'est sur, comment vous dire ça? Ben, tous les titres du moment, tous les gros titres du moment. Un gros titre qui est en train d'arriver en ce moment, c'est du fruit, du fun, du fruit et de l'eau. C'est pourri, c'est nul. C'est pas du fun, du fruit et de l'eau, mais quoi qu'il en soit, c'est... C'est Oasis, comme un Oasis. Enzo, c'est ma chanson que t'es en train d'écouter. Ouais. Comment tu vas? Avec tout le monde. Musique, clip, musique. Attends, excuse-moi. Ça ne veut pas s'arrêter. C'est Amir? Ouais. Salut Amir. Salut toi. Écoute, ouais. C'est de la cacophonie, on en a marre. Putain, comment tu gères toi? Tu gères tout ce qui est technologie, hashtag, machin, ça te dit quelque chose? Ça te parle visiblement. T'es complètement connecté en fait. Depuis mon enfance, je suis né avec une connexion ADSL incluse. D'ailleurs, enfance, pardon, on peut dire ton âge ou pas? Bien sûr. Tu es né en 84. Ouais, en effet. Mais je sais pas, je connais pas le mois. Juin. Juin 84. Oh, sans déconner. Mois de juin, donc c'était ton anniversaire, il n'y a pas longtemps. Bon anniversaire. De 31 ans. Et alors, tu as fait quel jour précisément? Le 20 juin. 20 juin. Putain, avec l'été. Le gars arrive avec l'été, quoi. On va l'appeler Esteban. Ceci dit, t'es solaire. Merci. T'es quand même sacrément solaire, donc du coup ça le fait bien. Oasis, c'est rien à voir avec le groupe de rock. En tout cas, c'est ton titre. Oui. Et ça va, il marche plutôt bien, là, on vient de voir, troisième. Ça fait 2-3 jours qu'il est troisième en variété française. Ouais. Bon, et c'est bien. Eh, les gars, hashtag Oasis, Amir. Hashtag it. Évidemment, le parcours atypique est que tu es dentiste, et puis là, tu chantes en même temps. Alors, y a un rapport ou aucun? Puis, pas plus tard qu'hier soir, je me suis dit, mais quel rapport? Pourquoi j'étais dentiste et aujourd'hui je suis chanteur? Et là, j'ai compris. J'ai compris que si je faisais ce travail-là de dentiste, c'était pour permettre aux gens d'avoir un plus beau sourire. Et puis subitement, j'ai découvert que j'arrivais à le faire plus facilement et sans la souffrance en chantant. Dis-moi que t'aurais pas fait la même chose que moi. C'est bon ça. Hey. Non, tu comprends? Tu m'étonnes. Tu me dis qu'il philosophe, mais alors là, on est. Hey, c'est beau. À la demande. Alors ça, c'est beau. Hashtag it. Tu nous permets par ton chant de sourire et de nous faire sourire. C'est en ce qui me semble qui arrive. En tout cas, t'es solaire, ça nous donne... Bon, t'es très énervant parce que t'es beau gosse et puis tu chantes bien, c'est chiant. c'est chiant pour nous, hein. Mais bon, c'est bien pour les nanas. Et toi, tu vas directement au Gentleman Forever, carrément. Ouais. Tu sors à peine, les mecs ils t'appellent alors que c'est tous des mecs qui chantent depuis des années-lumière. Tu sais quoi, je suis content que ça soit passé comme ça. Le mec il vient de sortir de The Voice, clac, on le chope pour faire le Gentleman. Putain, j'aurais adoré faire un truc pareil. Mais je suis ravi qu'il m'ait fait confiance et qu'il m'ait invité à participer au projet parce que ça m'a vraiment, si tu veux, c'était le tampon d'après The Voice. Que voilà, Myrta, ta place, il y a des gens à l'extérieur de l'univers de l'émission qui considèrent que tu es capable de faire quelque chose au-delà de The Voice. Et puis, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas pu réaliser tout seul. Mais ça m'a beaucoup aidé. C'est ça, c'est que tu as directement eu un blanc-seing directement en sortant avec ça. Parce que du coup, on oublie même assez rapidement que tu as fait The Voice, que tu as fait avec cette exposition-là grâce au Gentleman. Tu étais en Guerre-les-Bains il n'y a pas longtemps, comment ça s'est passé? Fantastique. Ouais. Fantastique, un gros concert. J'ai réussi, je ne sais pas comment, à rassembler 700 personnes. Parce que chaque concert, de plus en plus, je montre mes chansons. Je fais de moins en moins de reprises. Et à ce concert, je pense que j'ai fait une majorité de titres à moi. Tu chantes en hébreu? Tu peux me faire un truc en hébreu si tu veux? Hashtag it. Il m'azmina, fuch li shneinu, verak mitlonenet ala chom. Eize chom, ulai nazuz shoelet. Gara bedir ashura, mamash karom. Derech ha-shalom. Tazmin cheshbon, alayla lo olchim lishom. Hashtag it. Je connaissais pas les paroles, donc je ne comprends pas ce que tu dis, donc j'ai pas osé danser parce que je me suis dit ça se trouve c'est pas gay du tout. mais en tout cas ça donne envie de danser. Ouais. Et tu parles de quoi? C'est pas une chanson à moi, hein. C'est une chanson d'accord, connue. C'est australienne, c'est le tube de l'année là-bas qui a cassé tous les records
de vente, de passage radio. C'est hashtag it. Mon rêve, si j'avais la possibilité, c'est d'avoir le temps d'être le guide touristique de mes fans à Tel Aviv. Parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que j'essaye de leur raconter. Chiche. Donc très chiche. Sérieusement. Hashtag les gars. Un rêve. Hashtag guide touristique. Amir guide touristique Tel Aviv. Attends, tu sais que ça marche, c'est sûr. Bah, quand tu veux. Mais c'est sûr veux, que ça marche. Moi j'ai un pote là-bas, it. Moi j'y vais. Tu seras premier. C'est sûr. Hey, mon premier guide. Les gars. Attends. Là je suis très sérieux. Wenzo. Hey, look at me. Ouais. Non, je suis très sérieux même si je me marre. C'est mon pote qui est là-bas. Rodolphe, si tu m'entends, on arrive, tu rameutes un maximum de personnes, on se retrouve à Tel Aviv avec Amir pour je sais pas quand, mais on le fait ça, d'accord? Ouais, quand j'aurai okay. le temps, c'est tout ce qu'il me faut. Ah, voilà, c'est ça. Et alors, donc, je te disais, Tel Aviv, il drague une nana dans un café, elle l'emmène chez lui à la maison et puis ça raconte l'histoire d'un flirt d'un soir. Mais là, c'est pas un mirage. Là, c'est ah non, ça c'est du vrai. Parce que là, Oasis, c'est pas cette chance. Voilà, ah oui, parce que là, tu fantasmes en fait. Sur ma voisine. Mais du coup, tu nous casses le truc quoi. Parce que pendant tout le truc, c'est on pas dit, grave, ouais, regarde le clip, les jolies, tout ça. Après, bonjour. Mais en drague, t'es nul ou. Je pense très sincèrement que. Je suis pas très doué pour la drague parce que à l'époque où j'étais célibataire, j'étais très timide. C'est vrai que t'es marié. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on l'a su. Je ne savais pas. T'as déçu, je sais pas, la moitié c'est pas grave. De la terre, mais c'est pas grave, il y en a une, c'est elle. D'ailleurs, on va la saluer. Heureusement que t'es là parce que sinon ma femme serait partie avec toi. Arrête, mes petits Enzo. Et je te disais donc que. Où en était-on? Ça faut pas le dire non plus. Téton, c'est pas. Ah, téton. Que j'étais timide et que j'arrivais pas à venir voir une nana que je connaissais pas et à essayer d'échanger avec elle parce que j'avais peur qu'elle se foute de moi ou qu'elle me recale. J'avais peur du refus. J'avais peur de prendre des risques. Mais est-ce que tu sais que maintenant tu es un sexe symbole, Amir? Ça a rien à voir. C'est chiant, hein. Mais je sais que c'est chiant. Mais voilà, tu es un sexe symbole, c'est clair. Les gars, s'ils sont venus te chercher pour Gentleman Forever, c'est pas pour rien. Hein. Non. Ils savent, là, voilà. Amir, sexe symbole, hashtag aussi. Hein, les gars, ouais, il y a que du hashtag sur Amir, sexe symbole. L'essentiel, c'est qu'il faut bien chanter, il faut faire un bel album. Maintenant, il faut dire Alors, tu chantes bien. Tu chantes très bien. Ça, c'est quelque chose dont on ne doute pas. Tu es arrivé en finale de The Voice face à Kenji. Hashtag it. Bon, l'album arrive en fin d'année. Tu sais quand ou pas? On espère début d'automne, mais ça reste vague encore parce qu'il y a du temps et il y a beaucoup de travail. Donc là, on est en pop. Ton truc, c'est pop? Pop, rock, influence américaine d'un côté, orientale de l'autre, texte en français. Et puis Oasis, c'est un gros concentré de toutes les couleurs de l'album. Après, ça se propage un peu, ça s'allège un peu sur chacun des titres. D'accord, Oasis, c'est un condensé d'un gros tout. C'est pour ça qu'il y a plusieurs influences, effectivement, là-dedans. Hashtag it. C'est parti pour le premier selfie clip. Alors on va juste parce que du coup voilà. Ça t'arrange pour le ouais, je viens. Je suis en train de lui attraper les paroles. Bah écoute, c'est bon, c'est parti. Parti pour le selfie clip avec Amir. Allez, c'est parti. Officiel sur Oasis. Bah, hashtag hit évidemment. On peut quand même leur dire, c'est Enzo qui a écrit la version que vous allez entendre maintenant, sur laquelle je me porte pas garant. C'est pas. Ah c'est bon, dans le désert de mes désirs, comme un Oasis. Ok, top. Tu sais quoi? Alors, comme un Oasis, dans un désert. Dans le désert de mes désirs. Dans le désert de mes désirs. Ah ça c'est beau ça. Oh la littération, j'aime. Dans le désert de mes désirs, comme un Oasis, la plus belle source de plaisir. Ok. On y va. Tu le refais? On le refait, on va voir si je l'ai. 3. Comme un oasis dans le désert de mes désirs, comme un oasis, la plus belle source de plaisir. Ah c'est bon ça. Ça c'est bon ça. C'était le selfie clip. Hashtag it. Amir, tu es solaire, agréable, sympa et on dit humble, souvent ça revient. T'as beaucoup d'humidité. En tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur. Toi, qu'est-ce que tu te souhaites, mis à part faire une longue carrière dans la chanson? Exactement, c'est la première chose que je me souhaite, mais je me souhaite aussi beaucoup que je continue à maintenir une relation de proximité et d'amour avec mes fans et mon public, ce qui est pour moi crucial pour que
pour que ça vaille la peine de le faire, premièrement, que ça vaille la peine de faire de la musique, parce qu'il y a des gens qui aiment, qui suivent, qui soutiennent, qui sont bienveillants, qui encouragent, et aussi parce que je pense que c'est rien sans eux et c'est tout avec eux. Donc c'est ce que je me souhaite, d'être c'est là rien pour eux sans eux et c'est tout eux. Avec eux. C'est une belle phrase. vous regarderez désormais les dentistes différemment parce qu'effectivement il est dentiste. Ton père, je crois que je suis le premier dentiste qui a des fans en fait. Ouais, c'est ça exactement. Hashtag it. Quoi qu'il en soit, Oasis, c'est le dernier single, son premier single, pardon. Le premier est forcément pas le dernier. Je pense que c'est le premier d'une longue carrière, d'une longue série. Et quoi qu'il en soit, prochainement, on reviendra sur ton deuxième single. Yeah. Tu reviens pour un deuxième single. Et j'apprendrai avant et pour le truc clip. J'ai essayé de les apprendre en plus. En fait, je me suis planté. Mais bon, voilà, Amir, il faut juste faire une dédicace pour ma femme, sinon je vais me faire fumer. Comment tu dis Caroline, tu dis Caroline. Caroline, voilà, avec Enzo, on vient de finir une très belle interview. Et à plusieurs reprises, ton nom est remonté dans cette interview. Ça veut dire qu'il pense à toi très souvent. Et, ben voilà. Et j'ai appris à penser à toi à travers lui, donc je t'embrasse très fort. Et je te souhaite une vie merveilleuse, beaucoup d'amour. Et je te promets plein de chansons qui te plaisent. Gros bisous, Caroline, à bientôt. Putain, t'as vu comment il a fait ça bien. Je te souhaite beaucoup d'amour. Comment il a fait toi, ça bien. Comment t'as fait ça bien. Mais... D'ailleurs, faut qu'on parle de trois trucs bien. Bien joué, bien joué. Welcome to Hashtag It. Dans le désert de mes désirs, comme un Hashtag It.